Ce que vous allez entendre maintenant, jamais vous ne l'avez entendu. C'est l'émission rap numéro 1 en France. Planète rap. Une musique pas faite pour 100 personnes, mais pour des millions. Planète rap. 20h-21h sur Skyrock. Ce soir, c'est Planète Rap Alonso. Passez une bonne soirée, bienvenue. On est en direct sur Skyrock FM, sur l'application Skyrock, sur Twitch, sur la chaîne YouTube Skyrock. On est partout avec Alonso. Comment ça va, Alonso? Très, très bien, en forme. J'ai récupéré un peu ma voix. Ah. Donc, ça va, on est bien. Ça va, bien. Pas attrapé de coup de froid sur Paris. Ça va. Un peu de cortisone parce que j'étais fatigué, t'as vu? Allez hop. Et ça va. Et ça repart aussitôt. Bon, on rappelle que est sorti vendredi dernier cet album. C'est ça. Le nouvel album solo d'Alonso. Il y a quelques jours. Il s'appelle Stone. C'est ça. Un univers rouge, un petit peu comme le studio. Comme les studios, si vous avez les images. Magnifique. Studio. Ouais. Avec les images que vous retrouvez. Ça tue. Ça, c'est quand vous achetez l'album en physique. C'est ça. Sinon, c'est en streaming, c'est en téléchargement légal. Ouais. Ce soir, que se passe-t-il, s'il te plaît, à Londres, dans ton planète? Que se passe-t-il? Alors, il y a beaucoup d'embouteillages sur Paris. C'est vrai. Donc, j'attends. Il y a beaucoup invité, de travaux, tu as vu. Beaucoup de travaux. J'attends un invité. J'espère qu'il va être là. Mais moi, j'ai eu peur de ne pas être à l'heure. Ou sinon, on va continuer à découvrir l'album. Bien si sûr. Si vous êtes invité, là, on va live. Ben, évidemment. On va faire du live et voilà. Et comment plus t'as retrouvé la voix, donc? Ça va un peu mieux, ouais. Bon, on s'est régalé, toi, quand même, depuis le début de semaine, hein. Depuis le début de hier semaine. Hier, avec Koba, on était bien chaud. Ah, mais il me régale, Koba. Ah, c'est. Qu'il le veuille ou non, c'est une rockstar pour moi. C'est bien, c'est bien marré hier soir. C'est un fou. Même, tu sais quoi, juste après, on est parti manger. Les gens, ils ont pu suivre ça sur mon Snap. M'a fait découvrir un truc. Au début, la devanture, je me suis dit, putain, Koba. Moi qui essaye de manger sainement, tu vois, des trucs bien. Ensuite, on est allé au sous-sol. Il m'a fait découvrir des viandes, des manières de faire de la viande. C'était très, très bon. Voilà. Donc, bah écoute, je l'ai sous-estimé au niveau de la bouffe. Là-dessus, tu pensais. J'ai cru qu'il allait m'emmener dans un truc de merde. Mais franchement. Un boui-boui, quoi. Hein, voilà, ce qu'on appelle un boui-boui. Il m'a amené dans un truc, c'était super bon. D'ailleurs, je tiens à leur faire une dédicace. Ça s'appelle McDonner. Super bon, je vous le conseille. C'est où? Tu sais? Dans le 17 ou 18e? 17-18? Bon, on va retrouver l'adresse. Porte Clichy, c'est ça? Ah oui, bah, plutôt 17. Moi, Paris, excusez-moi, je connais pas bien. Voilà. Wow, on m'a dit c'est. Ça y est, maintenant, attends, depuis le temps que tu viens à Londres, quand même. Je rentre dans mon Uber, je mets un bandeau noir et. Et hop, je descends là. À destination. Je descends quand je suis arrivé à destination. Voilà. On attaque le Planète Rap avec un morceau, ça s'appelle Assurance Vie sur Skyrock. C'est parti, coup d'envoi avec Alonso. Assurance-vie, je donnerai mon âme si j'ai de l'amour pour toi. Je suis ton assurance-vie. Je sais prendre les armes, ne t'inquiète pas pour ça. Ce que j'ai fait depuis 1000 ans, c'est prendre soin des miens. Demande à ma maman. Je suis ton assurance-vie. Ton assurance-vie. Il y aura toujours mon ombre quelque part. Où que tu sois, je serai toujours à quelque part. Toi, tu te retiens que je ne te quitte pas. Je sécurise nos vies, t'inquiète pas. Y'a toujours des choses qu'on capte pas. L'amour que j'ai pour toi ne s'explique pas. Je leur ferai la guerre, panique pas. Le nécessaire pour que tu te fatigues pas. Et ton cœur donnera le tempo, tempo, tempo de notre avenir. Je serai là dans les blèmes pro, dans le meilleur comme dans le pire. Tu ton assurance vie, ouais, vie, ouais, vie, ouais, jusqu'à la muerte. Ton assurance vie, ouais, vie, ouais, vie, ouais, jusqu'à la muerte. Tu ton assurance vie. Je donnerai mon âme si j'ai de l'amour pour toi. Je suis ton assurance vie. Je sais prendre les armes, ne t'inquiète pas pour ça. Ce que j'ai fait depuis mille. C'est prendre soin des miens, demande à ma maman. Je suis ton assurance vie. Ton assurance vie. Ton assurance vie. J'aimerais tellement te dire ce que je montre pas. Tu fais en sorte que tout le reste ne compte pas. Laisse-moi ouvrir les portes, dis-moi où tu veux aller. Je ferai en sorte de devenir ton point de départ. Un jour ou l'autre, y'a tout qui part. La vie veut que ce soit la mort qui nous sépare. Si ma voix est trop faible, que mes mots te font hésiter. Rapproche-toi car c'est mon cœur qui te parle. Et ton cœur donnera le tempo, tempo, tempo de notre avenir. Je serai là dans les blèmes pro, dans le meilleur comme dans le pire. Je suis ton assurance vie, ouais, vie, ouais, vie, ouais, jusqu'à la muerte. Ton assurance vie, ouais, vie, ouais, vie, ouais, jusqu'à la muerte. Je suis ton assurance vie. Je donnerai mon âme si j'ai de l'amour pour toi. Je suis
assurance vie. Je sais prendre mes armes, ne t'inquiète pas pour ça. Ce que j'ai fait depuis mille, c'est prendre soin des miens. Demande à ma maman, je suis ton assurance vie. Ton assurance vie. N'est pas m'aimer pour mon assurance vie. Mais c'est toi que j'ai choisi. N'est pas m'aimer pour mon assurance vie. C'est toi que j'ai choisi. J'suis ton assurance vie, 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 jusqu'à la muerte. Ton assurance vie, 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 jusqu'à la muerte. Ton assurance, ton assurance. J'suis ton assurance, ton assurance. Ton assurance, ton assurance. J'suis ton assurance vie. Redédicace à toute ma team de vaillants. Justement. On est stone avec l'album. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Le Planète Rap entre 20 et 21. Stone, d'ailleurs, on écoutera un extrait dans un instant, le Stone 3. Ouais, parce que c'est décliné en trois déclinaisons. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu voulais saluer celui qui est à tes côtés aussi? Mais parce bien que, sûr. Parce que je vois, il y a des messages. Le mec, maintenant, est reconnu comme il y a les images maintenant dans Planète Rap. Après avoir fait un Zénith plein. C'est et, ça. Et un disque d'or avec, avec sa compile. Game Over. À un moment donné, Ibra, est-ce qu'on peut le présenter? Même plus. Ibra. Salut, Fred. Salut, Ibra. Comment ça va? Ça va et toi? En pleine forme. Alors pourquoi Ibra est invité? Tu as beau... Alors peut-être que parce tu vas être sur le Game Over 2. Déjà c'est mon poteau, déjà pour commencer. Donc c'est toujours le bienvenu. De 1, on se connaît ça fait longtemps. De 2, il y a le Game Over 1 qui est sorti maintenant, je crois, l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Ouais, l'an dernier. Et par faute de temps, j'ai été crispé, mais j'ai pas pu poser ma voix là-dessus. Donc ça m'a énervé. Donc donc on peut le dire, je suis dans le Game Over 2. On va pas donner la combinaison. Mais non, mais il dit rien de près. J'ai essayé de le travailler déjà. J'ai été venu la semaine dernière. Ouais, la semaine dernière. Je dis pas de conneries. Ouais, je suis venu avec RK. Avec RK. On donne pas la combinaison maintenant. Hein. Non, hein, jamais ça. Hein. Ah, c'est une combinaison. C'est trop, là. Ouais, c'est une combinaison. Avec qui? Je te fais un cadeau. C'est avec qui? Avec quelqu'un. Avec quelqu'un, voilà. Déjà, je te fais un cadeau. Tu sais qu'Alonso est sur le Game Over Volume 2. Voilà. Donc, volume 2. Ça fait longtemps que tu travailles dessus, mais je te dis pas. On sait la sortie ou on sait pas la sortie? Pas tout de suite. Après un petit peu. Ah, moi, je laisse parler. Mais confiez-moi vos infos. Tiens, demande d'ailleurs Alonso. Quand on me confie des infos, généralement. Oh, en tout cas. Alonso a écouté le projet. Tu peux lui demander. Alonso a écouté le projet. J'ai écouté le projet. J'ai entendu des combinaisons très sévères. Je me tairai. Mais c'est chaud. C'est très très chaud. On peut même pas avoir un indice. Genre c'est un Parisien, c'est un Marseillais, c'est. Regarde-le. C'est un Canet, moi, c'est son bébé, c'est son album. Moi je suis. Alonso voilà. a fait une bonne collab. C'est tout ce que je veux dire. Et ça va. On va en parler longtemps. C'est pas mal déjà. C'est ouais, déjà bien. C'est, bien, c'est, bien, c'est pas mal déjà. Personne savait qu'il était dedans. Et ben voilà. Il a l'exclu. Voilà. Donc voilà. On le sait maintenant. Il sera sur Game Over. Fier. 2. Content. Ouais. Voilà, puis l'histoire continue aussi entre vous, je suppose aussi, parce que voilà, c'est la famille. C'est plus mon que gars, de la musique. C'est mon go, mon bébé. Salam les frères, bien, tranquille avec comme. Entre 20 et 21, c'est tous les soirs de la semaine avec Alonso. Tiens, on va écouter donc le Stone 3 maintenant. Pourquoi il est décliné Stone en trois parties. Ouais, c'est ça. En trois morceaux. Mmh. Ça, t'avais aussi cette idée de le décliner, parce que tu nous parlais, tu disais que le titre est arrivé en cours de route. Ouais, sincèrement, tu sais, comme je fais beaucoup de choses, moi, dans la musique, je me suis retrouvé avec différents morceaux, on va dire ça comme ça. Et j'ai eu cette idée de faire des Stone 1, 2, 3. Le premier, il sonne un peu pop anglaise, un peu rock, on va dire. Le deuxième, c'est le Alonso, comme on a pu le connaître à ses débuts, avec un beat assez droit. Et le troisième, celui qu'on va écouter là, c'est le Alonso. Pour ceux qui connaissent ma discographie, il y a un morceau qui s'appelle En boucle sur Règlement de compte. Et je me suis un peu pompé, on va dire. Voilà, j'ai pris mon propre style. Et j'en ai refait un morceau, voilà, qui s'appelle Stone 3. C'est quoi? C'est d'aller te pomper. D'aller prendre ma manière de poser, saccader. Les gens, ils vont reconnaître le flow, je pense, direct. Et ben on va l'écouter maintenant. C'est le Stone 3. Il est extrait de l'album Stone, celui d'Alonso, qu'on découvre aussi pour ceux qui ne l'ont pas, mais c'est sorti depuis vendredi dans les bacs. Mets du son, Fred. Le commencement de la fin, papé. Ferme ta gueule, on a des purple, on est sur Google, on est sur Apple. J'blesse le sang, bouge comme un mongol. Viens m'haggar, ouais, qu'on en rigole. Le 3 quarts, c'est que des bandeurs. À la Wenegan, on relève les compteurs. Combien tu fais, combien tu vends, pour qui tu te prends, espèce de menteur. Ça parle de moi, ouais, je
se dérange. Pourtant j'ai donné la force, ouais c'est étrange. De les enterrer vivants, ouais ça me démange. Mais je reste zen comme un bon dimanche. J'sais que t'as le seum, j'suis dans le pub. Je vois ma pub, l'album y'a des tubes. 500 chevaux contrôlés par les stupes. Tu me cherches, j'suis posé dans le grand sud. Sac lancel, on se met en selle. Sur le GS, jamais en hesse. Chaîne en or, pas qu'un or dans la merde. Profite bientôt, j'parle plus aux médias. En mode gamberge, un verre de rouge, un peu de verte. Nique le rap game, j'devrais tous aller les voir, mais j'ai la flemme. Dans les yeux, ils le savent que j'ai la flamme. Tu connais la zone, on est dans tout ma sœur. C'est du nique tout ma sœur. Ponté, ruine, fleurine en terre, mon frère. On les enterre, mon frère. T'es qui? On n'a jamais vu ta tête. On te voit pas dans nos fêtes. Tu vas pas me la faire. On n'a jamais vu ta schneck. Tu ne pourras pas nous plaire. Tu connais la zone, on est dans tout ma sœur. C'est du nique tout ma sœur. Ponté, ruine, fleurine en terre, mon frère. On les enterre, mon frère. T'es qui? On n'a jamais vu ta tête. On te voit pas dans nos fêtes. Tu vas pas me la faire. On n'a jamais vu ta schneck. Tu ne pourras pas nous plaire. C'est le Planet Rap avec Stone 3, extrait de Stone, l'album d'Alonso. Mais Alonso, il est préoccupé par autre chose. Là, ça commence à chauffer. Là, ça commence à chauffer. Là. Je viens de recevoir un cadeau pendant qu'on était en train de se chauffer. C'est vrai. Dans les studios de Sky. On vient de m'offrir une paire de Puma à l'effigie de l'album Stone. Franchement, je vais laisser parler le gars qui m'a fait ce cadeau. Parce qu'on rappelle que tu bosses directement justement maintenant avec Puma. Je suis ambassadeur de Puma. Et franchement, là, comme on a pimpé ça, je veux qu'il dise un mot, je veux qu'il donne son blaze. Je veux l'entendre parler à l'antenne. Franchement, merci frérot. Ouais, big up, Alonso. Cette paire-là, c'était pour ton album. Et c'est une paire que j'ai fait en observant l'album, en observant ce que tu as fait, ta musique et tout. Et voilà, c'est tout. Hein. Franchement. Ça t'a inspiré, en tout cas, l'album t'a inspiré pour. Exactement. Pour c'est faire quoi ton blaze, mon frérot? Dis-le à l'antenne. Mon blaze, c'est Outwoods. Et je travaille aussi avec Clipka M Chose. Ok. Voilà, donc on est là, quoi. Bon, ça reprend les couleurs de l'album. Ça reprend les couleurs de l'album. Je sais pas si les gens ils le voient sur sur leur téléphone. La chose, elle est énorme. Face, direct, mon frère. Du coup, on voulait faire une paire à l'effigie donc de l'album Stone. Pour le frère qui nous donne la force depuis le début dans tous nos projets. Voilà, c'était important pour nous. On vient d'ouvrir un atelier de personnalisation, de nettoyage, rénovation de baskets, chaussures, casquettes. Passez nous voir. On est au 100 avenue d'Enfer Rochereau, dans le 14e. 14e. Voilà, sur les réseaux, Clean Cap and Shoes, tout attaché. Avec l'hashtag CCNS, vous nous remontez facilement. Voilà, force à Papé, allez pêcher l'album. C'est la famille, ça fait plaisir. Voilà. Et on en a fait une aussi pour Spike Miller qui nous donne la force. Qui est là, aussi qui est dans le projet depuis le début. Que ça soit nos projets associatifs ou business. Voilà, il est là, on lui a fait sa paire. On voulait une paire de Puma pour représenter la marque comme ils le font. On est fiers de ce qu'ils entreprennent. Et voilà, c'est important pour nous de faire ce cadeau-là. Et ben voilà. Merci beaucoup, merci le sang, voilà. Et pour ceux qui découvriront ou ceux qui nous écoutent juste à la radio, n'hésitez pas à remettre le replay sur la chaîne YouTube de Planet Rap. Vous retrouverez, vous pourrez découvrir cette jolie basket Puma noire et rouge, un petit peu aux couleurs de l'album, c'est aux couleurs de ton album Stone, qui a été pimpé en plus. Voilà. Je tiens à faire une dédicace aussi à Massiwa. Là, tout à l'heure, j'avais un téléphone portable. J'étais sur leur Snap. C'est un Snap dédié à toute la culture comorienne. Voilà. Vu que la musique fait partie aussi de notre culture. Là, j'étais en train de snapper les studios de Skyrock avec le snap Massiwa. Grosse dédicace à la patrie, c'est très important. Voilà, les Comores qu'on salue évidemment et où tu vas y retourner aussi, tu vas y retourner prochainement, je sais pas, mais. On va avoir une petite surprise, on est en train de préparer quelque chose. Tu vois, chaque année on annonce, donc j'ai pas envie de parler trop tôt, mais attention. Soyez prêts. Voilà. Dans un instant, tiens, si vous voulez passer un coup de fil à Alonso, lui donner de la force, lui parler de son album, lui poser des questions, il y a un portable, c'est le portable de Planet Rap. On va faire ça dans un instant au 06 83 96 96 96, 06 83 96 96 96. Et là, on écoute un morceau? Ouais, pourquoi? Tu veux écouter quoi? Dis-moi. Excuse-moi, oh la vache.
Ouais, bah, je voulais qu'on mette malade. Tu vois, ça tombe bien. Tu tombes malade. Écoute, non, mais moi, c'est des. C'est des allergies en ce moment. Allergies au boulot. Vas-y, y a pas de problème. Allergique au boulot. C'est un peu le bébé de Spike et moi, celui-là. Tu sais quoi? C'est un morceau vraiment qui te met stone. C'est un morceau pour planer. C'est lui qui clôture l'album. Donc, c'est un peu mon bébé, celui-là aussi. Eh bien, soyons stone tout de suite avec ce morceau qui s'appelle Malade. Allez, c'est parti. Je parle seul dans mon lit. Les gens parlent que dans le dos. Mais laisse-les jacter. Je dois faire ma moule. Ma tête est malade. Je n'ai plus le temps. L'arbitre siffle la mi-temps. Je rétrograde dans les temps. Et j'ai changé comme les gens. Je monte dans le Benz. La famille est dans le Banks. Quand je vais revenir dans le Jax, j'aurai tout. Pour l'instant je cours sans arrêt, y'a que le charbon dans ma tête. Et je ne te parle pas de C, ni de te en plaquette. J'ai eu toutes sortes de problèmes et je trouve que cette vie-là a du goût. Quand j'ai mal, ça te rend malade. Peut-être qu'au fond je suis pas si différent des autres. J'avoue que j'ai du mal à couper mes réseaux. J'essaie de m'avoir, je suis injoignable pour le moment. J'ai pas d'amis, j'ai que des frères, j'ai plus confiance parce que dans le bando, on se fait l'amour, la guerre, on ne sait plus. Ma tête est malade. À cause de tout ça, je parle seul dans mon lit. Les gens parlent que dans le dos. Mais laisse-les jacter, je dois faire ma moula. Ma tête est malade. Ne m'attendez pas, peut-être que je rentre pas. Je fais rien de mal, mais le mal n'épargne pas. Je suis déterminé, envie de les terminer. Puis je déposerai les armes, je vous rejoindrai car vous êtes tout ce que j'ai. Oui, vous êtes tout ce que j'ai. Ici bas tout se paye. Ici bas tout se paye. Oui, vous êtes tout ce que j'ai. Oui, vous êtes tout ce que j'ai. Ici bas tout se paye. Peut-être qu'au fond je suis pas si différent des autres. J'avoue que j'ai du mal à couper mes réseaux. J'essaie de m'avoir, je suis injoignable pour le moment. J'ai pas d'amis, j'ai que des frères, j'ai plus confiance parce que dans le bando, on se fait l'amour, la guerre, on ne sait plus. Ma tête est malade. À cause de tout ça, je parle seul dans mon lit. Les gens parlent que dans le dos. Mais laisse-les jacter, je dois faire ma moula. Ma tête est malade. Je parle seul dans mon lit. Le morceau, c'est celui qui conclut l'album, hein. C'est Malade. C'est ça, ouais, Malade. Un morceau qui fait partie aussi de ceux qui peuvent être un peu plus introspectifs sur cet album aussi. Il y en a d'autres aussi. C'est ça, ça c'est l'univers Stone. L'intro et l'outro, c'est vrai que ça donne un peu le ton. Voilà. 06 83 96 96 96, c'est le portable de Planète Rap. On va prendre quelques coups de fil tout de suite. Allô, c'est qui? Allô. Bonsoir Fred, bonsoir Alonso. Bonsoir, comment tu t'appelles? Bonsoir, ça va? C'est Léo du 84. Léo du 84, comment ça va, Léo du 84? Grand fidèle, écoute, grand fidèle, Léo. Eh bien, ouais, ça va, la force à vous tous et à vous toutes. Salut Alonso, bah écoute, je suis fier de te parler ce soir en direct. Eh ben ouais, c'est un plaisir. Je voulais te féliciter pour ta carrière que tu fais en ce moment. Et il y a des sons que j'aime bien dans ton album. Merci beaucoup. Y a, merci. Il y a Assurance Vie qui passe sur Skyrock. Ouais, voilà. Merci. Et ensuite il y a Sur la moto avec Jules. Et bon, on va le mettre dans un instant, tu vas être content. Ouais, on va le balancer dans le coup de retour avec le sang, le J. Et il y a aussi Je kiffe ma life. Ça c'est ton top 3. Ouais, mais tu as de bon goût. J'apprécie. Il vient du sud. J'apprécie tes choix. Du 8-4. Et tu voulais ajouter autre chose? Non, juste donner de la force et donner ton top 3 à toi.
Voilà, c'est ça. Je te remercie, voilà. Merci beaucoup. Eh ben, merci à toi, Léo. Voilà. Merci. Et on est là avec le hashtag Alonso sur Skyrock, sur Twitter. Ben, ça tue. Merci, mon frérot. Merci. Voilà. Parfait, merci à toi, Léo. Ouais, y a pas de quoi, voilà. À bientôt, ciao, passe une bonne soirée. On prend quelqu'un d'autre. 06 83 96 96 96, le portable de Planète Rap avec Alonso. Allô, c'est qui? Allô? Allô? Oui, t'es en direct à l'antenne, on t'écoute. Allô, bonsoir. Oh putain. Oh putain. Bonsoir, poto, ça va? Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire à Alonso? Bah, c'est une dédicace, à tout son album. Ça fait des années que je l'écoute. Merci mon frérot, franchement c'est gentil. Tu viens d'où? 91. Et tu t'appelles? Paul. Paul du 9. Paul, t'as vu le dernier clip en date? Il s'appelle oui. Tueur à gage. Et je suis parti le faire dans le 91. Une grosse dédicace au 9-1, à tous ceux qui m'ont accueilli, franchement, chaleureusement. Il y a même le poteau Niska, quand il a su que j'étais dans sa ville, il est venu me faire un big up. Donc, gros big up à Niska, à tous ceux qui viennent du 91, hein, et même Koba, même Nino aussi, il y a beaucoup de gens. Il y a du monde, hein. Ils sont en forme ces derniers temps. PNL, il y a PNL aussi. Ils sont en forme. Donc, grosse dédicace à tout le monde. Ouais. C'est ça. Et ben, merci à toi, Paul. Et à Londres. C'est une question. Est-ce que tu penses un jour te remettre avec la psychiatre? Mais en fait, tu sais, souvent on me pose la question. Ah ouais, on on s'est jamais séparé, poteau. Tu sais, depuis le début, on a fait des choix de carrière alternés entre des albums solo, albums de groupe. Là, c'est vrai que l'aventure solo, elle commence à durer un peu longtemps. Mais on espère, parce que là, j'ai reçu des messages comme quoi j'ai annoncé le grand retour. Oui, j'ai vu ça d'ailleurs. Ouais, j'ai vu aujourd'hui. On laisse planer le doute à chaque fois. J'ai rien annoncé du tout. Voilà. On sait pas, 2020, 2025, on sait pas, mais qui sait. Mais en tout cas, voilà, il y a rien de programmé. Sopra, il a, je sais pas, une date qu'il doit faire. Moi, je dois défendre un album qui est sorti il y a quelques jours. Toi aussi, au mois de novembre, il y a le Dôme de Paris, le Dôme de Marseille. Le Dôme de Marseille, mais on s'est jamais séparé, hein, poteau. Hein. Mais voilà, on sait pas encore. C'est bon? Ouais. Et bon, voilà. On y va, Paul. Merci à toi, Paul, pour le coup de fil. Et 06 83 96, un petit dernier, 96 96. Allô, c'est qui? Allô? Vas-y, parle. Oui, bonjour. Bonjour, tu t'appelles, tu appelles d'où? Bah, j'appelle du 91. Ah bah, encore? Le 9-1 en force. Décidément, ce soir, le 9-1. Ouais, de hier. Et qu'est-ce que tu voulais dire à Alonso? Bah, je voulais lui passer mon fils. Ah, fiston, bah, passe-moi le fiston. Vas-y, poto. Allô? Allô, bonjour. Comment ça tu t'appelles, le fiston? Je m'appelle José. José. José, enchanté, ça va? Oui, toi? Ça va, cool, très très bien. Qu'est-ce que tu voulais savoir, qu'est-ce que tu voulais dire à Alonso? Bah, que j'adore, c'est le dernier son qu'il a sorti, là, il n'y a pas longtemps. Ben, merci, merci beaucoup. Tu te souviens du titre ou pas? Comme ça, on va essayer de le jouer. Non, mais en tout cas, je l'ai enregistré. Bon, eh ben, ça va, il n'y a pas de souci. Ben, je te remercie, José, c'est très gentil. Eh ben, gros big up à toi, José, à ton papa. Au revoir. Ah, regarde ça. Ah, j'ai pas entendu. Avoir quoi? Un CD. Un CD? Pourquoi pas? Je te passe la régie? Ne bouge pas. Ah, bah en plus ça a coupé. On vient de me dire que ça a coupé. En plus il a raccroché. Dommage. Bon, bah s'il rappelle José, on lui mettra un album de côté. Dans un instant on va revenir. Tiens, on parlait du feat avec Jul. On va le balancer. C'est un morceau là pour ceux qui étaient pas là en début de semaine. Le son est signé Jul aussi. Il est très demandé. Ouais, la composition c'est signé Jul. Et c'est vrai que quand il compose des morceaux pour nous deux, je suis très impliqué même au niveau des idées, au niveau de la compo. Après lui, il a des mains de génie. Je le laisse appuyer, sinon moi je fais un carnage. Mais voilà, on voulait mettre la barre haute et j'ai l'impression que c'est réussi. Ouais. En tout cas, pour moi, je pense que ça sera le prochain single, ça sera le prochain morceau à faire tourner sur Sky, je pense. Et je me souviens aussi déjà le dernier Planète Rap de Jul où tu étais venu, où il y avait déjà eu aussi un autre titre que vous aviez fait dans la journée. On l'a fait dans la journée. Ou quelques heures avant. Il tourne sur le YouTube de Sky. Donc c'est vrai, c'était flagrant délit. C'était flagrant délit. Mais tu sais, dans mon disque dur, on a plein de morceaux avec Jul. Ah, il y en a d'autres? Ouais, il y en a plein comme ça qu'on peut te sortir. Voilà. Donc restez à l'écoute et dans un instant, on vous balance donc ce morceau à pas louper qui s'appelle Sur la moto. Ouais. C'est extrait de l'album d'Alonso. C'est ça. C'est dans les bacs. Le J. Ça s'appelle Stone et on revient juste après ça. Une heure en direct avec Alonso et tous ses invités. C'est Planète Rap sur Skyrock. On est ghetto sur la moto à deux casques à salto. Nouveau morceau Alonso Jul sur la moto, mamé. Grand dédicace au 1-3 Marseille. Team Jul, Team Alonso. Ça c'est la zone.
Stone. T'es ma crème et la gomme. C'est Dieu qui donne. On est ghetto, ah, sur la moto, ah, à deux casques, ah, à Salto, ah. Tu parles de moi, même pas, j'm'agite. J'calcule pas, même pas, j'cougite. J'déguste la vie, ouais, j'profite. J'fume mes pitous jusqu'au fil. On regarde pas dans le rétro. Même si elle est pimpon. On aime le bruit du pepe. La cala du pepon. C'est ce qu'on écoutait à l'instant. Exactement. C'est extrait de cet album Stone sur Skyrock entre c'est 20 ça. Et 21. C'est ça, c'est tiens, ça. Il y a quelques minutes, on parlait, c'était avec Léo, je crois, des psychiatres de la rime. Ouais. Et dis donc. Mais dis donc. Il y en a qui vient de débarquer. Tu sais, je suis jamais seul. De l'équipe des psychiatres. Si c'est pas par téléphone, c'est en physique. Tu vois, et là, je vais le laisser prendre un putain de micro. Et tu vois, attends, installe-toi, Vince. Oh. Vincenzo qui vient de nous rejoindre. Il est là avec nous aussi ce soir dans l'émission. Comment ça va, Vince? Écoute, ça va. Attends, il faut brancher ton micro. C'est mieux de t'entendre quand même. Oui, ça va ou quoi? En pleine forme? Parle-moi de ce décor un peu. Regarde, tu as vu ça? Hein? To the blood and rat. To the blood. Fucking blood. Magnifique, non? Franchement, qu'est-ce merci. Qu'est-ce que t'en penses? Merci. Ça tue. C'est l'univers de Stone. Voilà, j'ai pas notre premier planète rap. On avait encore la Morvelle. Il y avait pas tout ça. Hein. Là. Ah bah là, c'est. Il y avait les mêmes stickers, ça. Hein. Tu te rappelles les stickers, c'est tout qui sont restés des années. Des années. De vagues nocturnes. Hein. C'est un plateau télé. Oh, exact. C'est un exact. Plateau télé. C'est magnifique. Franchement, c'est énorme. Venez mater d'ailleurs les images sur Skyrock FM, sur l'appli, sur Twitch également, sur la chaîne YouTube de Skyrock. Comment ça va, Vince? Ça va très bien, écoute. Ouais, toi, le rap un peu trop tranquille, hein, le rap. Oui, je suis en pause bien méritée. Belle pause, hein. Ouais, belle pause bien méritée. Oh, les affaires de fou, ah, je sais, attends. Je suis passé le voir au centre commercial. J'ai vu tes pompes, j'ai tout vu. Tu as vu que j'ai fait du sport. T'as du mal à te porter. T'as du mal à te soulever. Mais non, il avait dit le contraire, mais il n'avait pas vu que j'ai triché un peu. T'as du mal à te soulever. T'as vu les images depuis, comme j'ai trichoté un petit peu. J'ai vu ça, le tricheur. Bon, tout va bien, le magasin sport bien, les affaires. Tout va bien. Je suis éclaté parce que je reviens d'une prochaine ouverture, si Dieu veut, bientôt. Inch'Allah. Et voilà. Mais c'est où? C'est à l'étranger? Parce que t'as jet lag ou quoi? Juste à côté, là, une heure en Belgique. En Belgique? Ouais, c'est en Belgique. En Belgique. Putain, donc ça s'appelle toujours. Chez Oncle Phil. Ta 3.0. Fibre du business, il a cette fibre que j'ai jamais eu, bordel de merde. Mais j'annoncerai ça dans les réseaux, là, dans les jours suivants. Ah oui, tu trouves que toi, il a plus la fibre là-dessus sur le côté. C'est un truc que tu maîtrises moins. Dieu merci, c'est un businessman. Voilà, c'est son troisième magasin, si je dis pas de bêtises.
Voilà, tu sais, moi je suis qu'au début là, justement. Voilà, j'ai ouvert un complexe sportif dans le 14e à Marseille, qui s'appelle le 13 by Puma. C'est le plus grand de la région. J'essaie un peu de limiter, tu vois. Mais de mettre des billes, de les placer, de je sais pas moi. Tranquillement. Voilà, de faire un truc, je sais pas moi. Bon, Vince, c'est sinon la musique. Même pas, tu même pas. Non, je suis rien. C'est un cachotier, mais bon. Je suis en ce moment avec avec le petit Phoenix. Ouais. Ah, ouais, je suis sur certaines dates. Avec le Phoenix. Donc ouais, t'as fait la tour, t'as déjà commencé sur la tournée. Ouais, j'ai commencé quelques dates. Une date. C'est carrément. Je vous vois vous régaler. Qu'est-ce que je pète les plombs. N'importe quoi. C'est fou. Cette tournée. Ouais. Il a un décor de fou, le frérot. Ouais. De fou malade. Ça tue. Et donc là, je suis en pause pendant trois semaines parce que j'ai l'ouverture à gérer. Donc voilà. Quoi. Je suppose que à Londres, t'as fait écouter aussi l'album. Ah, écoute, il y a des liens qui traînent. On a un gros pote. On envoie des. Il y a des liens qui traînent, donc j'écoute quelques morceaux. Est-ce que toi, t'as des morceaux justement, des petits top 3, mais un petit morceau. Moi, il m'a envoyé des vidéos avec sa fille sur MDV. Écoute-moi, ma petite nièce, sa fille, laisse tomber. Avec Dadju, morceau avec Dadju. Ouais, c'est ça. La Mala. Et d'ailleurs, que la Mala. MDV, Ibra. Que la Mala. Ah, Ibra aussi. Ah, Ibra. Il est venu à Marseille. Je lui ai fait écouter quelques titres. Ibra, celui-là. C'est que la Mala. Avant tout le monde. Voilà. On était dans le studio. Il me dit, attends, je te fais écouter 2-3 petits titres de l'album et tout. Fais écouter Tu as Ragage et tout, Kurt Cobain. Et il met MDV. Et alors là? On l'a remis 3 fois. Mon pote, semaine, il allait enlever son t-shirt. Peut-être qu'on pourra le passer aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Sans plaisir. On doit le passer. On doit le passer. Je dis mes invités, c'est eux qui commandent. Bon alors, donc dans un instant, on va le passer. Ah ben voilà. C'est le morceau qui s'appelle MDV avec Dadju. On va le passer juste avant. On accueille par téléphone Monsieur Kéfir de Saint-Étienne. Comment ça va, Kéfir? Yo, Frédérico, comment ça va? En forme, et toi, Kéfir? Nickel, hein, ça me fait plaisir de t'avoir au téléphone. Pareil, bah tu connais un peu tout le monde en plus. T'étais jamais passé avec Alonso ou Vince ou avec les psychiatres? Parce que avec les psychiatres. Un peu des psy, ouais. Kéfir il vient souvent rapper dans l'émission par téléphone. Non, t'étais passé avec les psychiatres? Avec les psychiatres, oui, à l'époque j'étais passé, ouais. Bonsoir Kéfir, bonsoir. Bonsoir monsieur Alonso, que du chemin. Ça commence à faire longtemps, tu sais. Que du chemin, les psychiatres, on écoute depuis longtemps, hein. Gracias. Depuis, oulala. Ça, on a traversé les générations. C'est vrai. Et tu l'entendais à Londres, en tout cas, voilà, c'est loin d'être mort pour les psychiatres, c'est juste qu'en effet, chacun a ses trucs, chacun son, voilà, les solos, Vince, son business, donc, c'est ça. Mais c'est loin d'être fini pour nous. On est en communication tous les jours, c'est, laisse tomber. Non, vous tombez un jour sur nos discussions, vous mourrez. On va essayer de trouver le groupe. Merci à toi, Kéfir. Tu es prêt à rapper maintenant? C'est parti? Ouais, je suis prêt. Et bah, c'est l'heure du freestyle par téléphone, on y va. Yo, Kéfir. On est marginalisé, ça a tort, et les plus forts dépriment, gros c'est qu'on déplore, alors accusé des plus corps des crimes. Le rap restera le moyen de m'exprimer, je me fous des doyens païens qui rêvent de me voir m'exiler. Je suis plus un mec stylé, je marche à côté de la plaque, lance un pavé dans la flaque, celle qui sert pour vous selfiser ou vous diviser, avec la peur pour aboutir, pour ensuite s'abrutir devant les discours d'Éric Zé. T'interroges-tu quand tu partages l'opinion publique? Je suis pour la République et bien sûr la liberté d'expression. Face à la deux vitesses, deux poids, deux mesures, on fuira à l'usure, si pas de changement jusqu'en 2016. Je rappe ce texte en craignant le vote de 2017, un reportage télé vaut plus que 2000 disquettes. Je fais le pitre car quand je jouis, jouis. KFYR1, je suis sur le direct de Planète Rap. Da L. Ah merde, j'arrive pas à les plaies. KFYR, ça c'est mon blaze. Da L O N Z O. Tu veux que je t'aide ou pas? Tu veux que je t'aide pour le freestyle ou pas? Vas-y, A L O N Z O, merde. Kéfir. Merci, mais non, mais Kéfir, j'ai pas vu des trucs sur toi, là, t'es pas dans le cinéma, je t'ai vu avec des gens du cinéma, avec qui? Avec Sofiane, non? Tu fais pas des trucs avec Sofiane ou? Ouais, si. Dans la série qui sortira sur Canal, ça s'appelle Les Sauvages. Ça a été tourné à Saint-Etienne, il y a Fianso, Marina Foïs, Roche Dizem dedans. Et normalement, je serai dans le premier épisode. Ouais, bah voilà, Kéfir, parfait. Il est où ton gars? C'est pour ça que t'as lâché le rap pour le ciné, parfait, pour les séries. Je continue le rap. Bah, rappelle-nous où est-ce qu'on peut te suivre, Kéfir. KEFYR, partout sur tous les réseaux sociaux. J'ai une chaîne YouTube, c'est KEFYR. Il y a des clips, il y a à manger, à boire, et c'est voilà. Ouais, total, quoi. Venez. Merci à toi, mon pote. Ciao, passe une bonne soirée. Ciao. À bientôt, Kéfir. Le Planète Rap, alors à la demande générale. Yep.
MDV featuring. Un petit mot donc sur ce morceau. Il est comment Timo, il arrive... j'étais en studio avec Dadjo. On a bossé sur un. C'était deux, après qu'il ait remboursé son pari. Oui. C'était bon enfant. On a bossé sur un, deux, trois titres, je crois. Et lui, c'est le dernier sur lequel on a bossé. J'ai voulu le faire sortir un peu de sa zone de confort, faire un truc avec lui qui n'avait jamais fait. Et je lui ai dit, je vais te ramener dans le terre-terre, dans la zone. Donc ça a donné MDV, la malade des voyous. Voilà. Et ben on l'écoute maintenant. C'est avec Dadjo et c'est sur l'album Stone d'Alonzo. Ta meuf s'est retrouvée dans le carré par accident. On réduit les problèmes en s'expliquant. AMG, j'ai dit TNT, c'est intriguant. Hey. Elle veut un train de vie excitant. Elle aime la malade des voyous. La malade des voyous. Des voyous. Quoi, mamé. La malade des voyous. Bravo, mamé. Yeah. Des voyous. Oh. Qui qu'a dans la boîte à camp. Tu te demandes si je suis dans la vente. Gadi, on va taper. La malade est crapule, dis-nous merci. Je brûle un billet violé pour l'honneur. L'enterré par la meuf, si je vais dans le carré par accident. On réglue les problèmes en s'expliquant. AMG, j'étais vite NT, c'est intriguant. Elle veut un train de vie excitant. Elle aime la malade des voyous. La malade des voyous. Des voyous. Des voyous. La malade des voyous. La malade des voyous. Des voyous. Des voyous. Ta meuf s'est retrouvée dans le carré. Tiens ta gadi, on va te la perdre. La malade des crapules, dis-nous merci. J'brûle un billet violé pour l'honneur. M'enterrer pas ma vie, si je vais dans le carré par accident. On réglue les problèmes en s'expliquant. AMG, j'étais vite NT, c'est intriguant. Elle veut un train de vie excitant. Elle aime la malade des voyous. La malade des voyous. Des voyous. Des voyous. La malade des voyous. La malade des voyous. Des voyous. Des voyous. Elle s'est retrouvée dans le carré par accident. Donc ce morceau MDV avec Dadjo. Dadjo, que tu l'expliquais, tu l'as fait sortir de sa zone de confort. Ouais, il m'a remercié, mais moi je kiffe de fou, j'aime trop ce morceau. Et est-ce que toi tu pourrais aller dans sa zone à lui justement? Est-ce que tu pourrais maintenant avec l'autotune chanter, machin? Est-ce que tu pourrais aller sur... J'ai déjà été dans sa zone quand il m'a invité sur son album là avec le titre avec son frère Gims, ouais, Ma Fierté. Mmh. Tu vois, le morceau, voilà, je pense que j'y suis surfé un peu dans sa zone. Ça te fait pas peur, t'y vas en tout cas? Non, y a pas de problème, y a pas de problème pour ça. Franchement, y a pas de problème. Il y a un autre invité qui vient de faire son entrée dans le studio. Voilà, c'est de lui que je te parlais, vu qu'il y avait les bouchons, je me suis dit, est-ce qu'il va être là? Il est toujours en retard. Comment ça va se passer? Il est là, il vient d'arriver, monsieur Nino, qui est là aussi avec nous ce soir, entre 20h et 21h. Et tu disais en début de semaine, moi je peux pas faire cet album s'il y a pas Kobalade et Nino sur mon album. Voilà, ils ont répondu présent, c'est les frères. Et ça me fait plaisir. Bon, voilà. En forme ? Nino, comment va ? Ça va. Tranquille ? Tout se passe bien ? Tout se passe bien. Bon, et bien, bienvenue dans le Planète Rap d'Alonzo. Merci. Du décor, tu en penses quoi du décor, Eni ? Oui, parce qu'il avait décoré Destin. T'avais vu le décor de Destin, j'espère ? Ouais. Magnifique, ouais, magnifique décor. Du mannequinat. Ah ouais, c'est beau.
c'est des belles photos, franchement. Ça tue, hein. Ça tue. C'est l'univers, c'est les pochettes, c'est la pochette de l'album aussi qui est retranscrit ici dans le studio. Nino, un petit mot toi sur Alonzo, les psychiatres de la rime, les gens que t'écoutes depuis longtemps. Et... C'est Alonzo, frère. tu veux que je te raconte quoi sur Alonzo? Non, mais juste moi, quand il t'a appelé, quand t'as proposé le morceau. J'ai dit oui direct parce que on avait fait déjà un morceau dans mon album qui avait bien marché. Et voilà, on n'avait pas réussi à faire un deuxième morceau, tu vois, comme on l'attendait nous deux. Ouais, c'est ça. Et là, on a réussi, on a trouvé la bonne prod, corps. Voilà, c'est ça. Prod. Et donc. Et je pense qu'on leur a donné ce qu'ils attendaient de nous réellement, tu vois. La zone. C'est elle. C'est elle. Moi, j'aime bien quand on a trouvé le titre, c'est elle, parce qu'il est un peu, c'est un peu un titre à contre-pied pour moi. Quand tu le vois dans la tracklist, tu as l'impression que peut-être ça va parler de meufs, oui. Ou quoi, mais. Ben, c'est ça. On aime plus la zone que les meufs, en fait. C'est plus la zone. Hein. Voilà. Et toi, ton avis sur, t'as vu le carton avec l'album Destin, là, c'est. Nino, moi, c'est. Disque d'or en l'espace d'une semaine. Qu'est-ce que tu veux que je te dise sur Nino? Sincèrement, il est en pleine forme pour moi actuellement, j'ai pas peur de le dire, c'est le king de sa génération. Il est en pleine forme. Mais sur son écriture aussi, parce que il a écouté. Et pareil, il y a aussi Frémo, une fonction. Tu as 23, ça, si je dis pas de bêtises. Ouais, 23. 23 ans, tu sais quoi, il écrit comme un ancien, frère. De la manière dont il écrit. C'est pour ça que j'ai envie de te demander là-dessus, parce que quand t'écoutes, il y a du fond aussi sur Nino. Mais il y a énormément de fond. Ou sinon, moi, j'aurais décroché direct, tu vois. J'aime bien les trucs, mais il faut un minimum dans un album. Tu vois, il faut un minimum, je pense, t'as vu. Et il a énormément de fond. C'est moi, quand je l'écoute, je me reconnais, alors qu'on a un écartage important quand même, tu vois. Et Nino, on le rappelle, l'album Destin qui fait un carton, la tournée aussi, puisqu'il part et il y a plein de dates qui sont blindées, ça commence le 7 juin. Je vois, du côté de Lyon. Il me semble. Ouais, du côté de Lyon. Du côté de Lyon, il y aura aussi Zénith de Paris et puis plein d'autres dates jusqu'en 2020, facile pour. Ça tue. Facile pour Nino. C'est une belle réussite et une belle victoire aussi pour Nino. Et que ça perdure fort. Surtout ça. Ouais. Le Planète Rap entre 20 et 21, d'ailleurs peut-être que vous allez nous faire le live dans quelques minutes. Pourquoi pas. Qui s'appelle C'est elle. Dans un instant. Mais là peut-être, bah tiens, on va mettre un autre de sa génération aussi, c'est Koba Ladé. Il était là hier soir avec nous. Koba. T'es très en forme, Koba, hier soir. Il est en forme. Mon gars, il est dur à tenir, Koba. Oh là 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 là. Il est dur à tenir. La potion. C'est quoi en plus? La potion. Si t'es branché, espèce d'enfoiré, la potion. Mais j'ai vu votre Planète Rap en plus. Ah ouais. Je voyais que tu essayais de le. De le gérer un peu, c'est mort. Ibra, je te rappelle quand il est venu à Marseille. Il y a que deux qui l'arrêtent. C'est oncle fille. Avec le Madjam Roca. Les murs de chez oncle fille ont tremblé. La D17. C'était incroyable. C'est un truc de fou. Et ben là, on écoute le morceau. On le fera dans un instant. C'est elle. Mais là, on écoute le morceau avec Koba Ladé qui s'appelle Ça a changé. Vas-y. Et c'est extrait de cet album Stone d'Alonzo qui est dans les bacs depuis vendredi dernier. Yes. Et je me rappelle quand on voulait pas de moi. Et j'avais rien, même une plaquette, on me la poussait pas. Mais je crois que ça a changé. Audemars Piguet. Et je sors même plus mon iPhone pour garder l'heure. Et je me rappelle quand on voulait pas de moi. Et que j'avais rien, même une plaquette, on me la poussait pas. Je crois que ça a changé. Audemars Piguet. Et je sors même plus mon iPhone pour garder l'heure. Nourri par la salade, la farine, le pain. Je devais évacuer ma peur et me dire qu'il y a toujours pire. Au fur et à mesure du temps, j'ai appris à me lever tôt et savais pour qui baisser les prix. Une détaillée à part régaler. La plus grosse barrette, sa grand-mère, je la prenais comme conso. Nous aussi, on a connu les pères. Et deux squads à gris, le berlin goal modé. Un paquet de top, un paquet de feuilles et un chauffe-là en fin de journée. La boule au ventre, car l'uniforme bleu fait cavale alligator. Oui, c'est rare que je sois pas en retard. Si je suis en retard, à main sur la paix. Et toi, tu me partages en facile. Mais si je me gaffe, c'est de la prison ferme. Où je la récupère et ensuite me repose demain, je dois tout. Détail à livrer au petit peu et une fois que petit aura tout fait. Partir, il faut que j'aille voir de ce qu'il faut qui distribue les pays. Je me rappelle quand on voulait pas de moi. Et j'avais rien, même une plaquette, on me l'a poussé toi. Mais je crois que ça a changé. Audemars Piguet. Et je sors même plus mon iPhone pour garder l'heure. Et je me rappelle quand on voulait pas de moi. Et que j'avais rien, même une plaquette, on me la poussait pas. Je crois que ça change. Audemars Piguet. Et je sors même plus mon iPhone pour garder l'heure. Capo.
po, koba, flala, père. Fais rentrer le cabal et potions d'herbe. Je suis dans les finances, j'ai plus confiance. AK-47 en gosset d'air. Marseille c'est violent, y'a rien d'étonnant. Découpe, découpe les kilos. XADV sur le rente, le négro est casqué, esquive les gyros. T'as gonflé la fraîche mesquina. Et viens chez moi tous les jours faire le ménage. Merde, je me lève à 15h, je suis rafta. Je prends le jet ski Yamaha à Asamena. Merde, 6h du mat, ça fait pas, pas, pas. Tout est chez la nourrice, ha, ha, ha. Patek Philippe passe en KKK. Je mange du caviar en KKK. I'm sorry, y'a mon son dans ta story. L'été sera tori, fais pas trimasse à un gori. Y'a de la petite, je vais croquer mon fils Kili. Dealer, c'est pas fini, de la piwi aux deux et demi. Et je me rappelle quand on voulait pas de moi. Et j'avais rien, même une plaquette, on me la poussait pas. Mais je crois que ça a changé, Audemars Piguet. Et je sors même plus mon iPhone pour garder l'heure. Et je me rappelle quand on voulait pas de moi. Et j'avais rien, même une plaquette, on me la poussait pas. Je crois que ça change, Audemars Piguet. Et je sors même plus mon iPhone pour garder l'heure. Morceau, hein. Oh, t'as envie de le remettre tout le temps en fait. Pogo, Pogo, Pogo. Qui a fait la prod, rappelle-nous, qui a bossé sur la prod dessus. Spike, c'est Phase. C'est ça. Phase. C'est Phase. Phase qui a fait la prod de ce morceau. Voilà, une grosse dédicace à Phase aussi, que j'ai pas pu rencontrer. C'est le seul morceau, le seul feat que, qu'on n'a pas fait en direct. Ouais, en parce direct. Que Koba, il était en séminaire. Moi aussi, je finissais mon disque. Voilà, et c'est Phase qui a fait la prod. Donc, merci beaucoup, beaucoup, frérot. Et voilà, et c'est sur l'album Stone d'Alonzo qui est dans les bacs depuis vendredi. C'est ce soir, ça, il nous a rejoint. Jours. Également Nino qui est là aussi, qui vient de débarquer dans le studio. Et Nino, vous le retrouvez sur cet album Stone aussi. Ah bah, c'est ça, ouais. Album d'Alonzo. Et peut-être que maintenant, d'ailleurs, on pourrait écouter ou même voir le faire en live ce morceau si vous êtes prêts, si pas. Vous êtes chaud. Ouais, chaud, moi, ça chaud, me chaud. Va. On va tourner la roulette, Diffoul dans un instant. La roulette, pour la faire tourner, vous envoyez le mot roulette par SMS au 72020. Et donc ce morceau tout de suite avec Nino, c'est elle. C'est ce qu'on écoute tout de suite en live dans l'émission. Les cleans, le bâtiment, le sac, c'est la zone, c'est la zone. J'ai promis de rien dire à la bac pour la zone, pour la zone. Faut, j'm'éloigne du car cellulaire, j'ai charbonné, mais j'ai pas fait assez. On la vend en bas de chez nos mères, le commissaire veut garder nos lacets. Traîner dans la zone, mourir dans la zone. Mon premier joint, c'était dans la zone. Mon premier test, c'était dans la zone. Maman s'inquiète, car j'aime trop la zone. Oui, j'aime trop la zone, peu d'amour à donner. Et pour se refaire, on leur a tout volé. Y'a pas que des frères, mais j'aime trop la zone. Oui, j'aime trop la zone. Mais j'aime trop la zone. Toujours chargé sur la A7 au cas où si un T-Max me suit de près. Le siège bébé est occupé, joue pas haut quand je vais finir inculpé. Je connais seul la moitié d'une demi-heure pour manger tes morts et quitter la ville. Où tu rentres pas, je rentre en tenue de sport. Je mets plus trop les pieds au hasi. Les qui tient la sacoche ne tient pas le renté. En masque et je raccroche le camo, c'est teinté. Ça parle de gros transferts, d'investir dans la machine, de rafler le quinté. Elle voulait que je lui ouvre mon cœur, mais les portes sont centralisées. Pétard de Jean Léger, coup de crise de beurre. Cache la pas qu'à la banaliser, yeah. C'est la zone, c'est la zone, ouais c'est elle. Eddie. C'est la zone, frappé. Les cleans, le bâtiment, le sac. C'est la zone, c'est la zone. J'ai promis de rien dire à la batte. Pour la zone, pour la zone. Faut, j'm'éloigne du car cellulaire. J'ai charbonné mais j'ai pas fait assez. On la vend en bas de chez nos mères. Le commissaire veut garder nos lacets. Traîner dans la zone, mourir dans la zone. Mon premier joint, c'était dans la zone. Mon premier test, c'était dans la zone. Maman s'inquiète, car j'aime trop la zone. Oui, j'aime trop la zone, peu d'amour à donner. Et pour se refaire, on leur a tout volé. Y'a pas que des frères, mais j'aime trop la zone. Oui, j'aime trop la zone. Oui, j'aime trop la zone.
Ma première bitch, ma première plaquette, mon premier bif. Je voulais tout contrôler comme Evans Bardell. Pour ça fallait être vif. Ma maman m'a averti, pas de vendeur de drogue ici. Drogue ici. Mais le bédo est à 28, donc je suis debout à midi. À midi pile. La zone m'apprendra à faire des trucs atroces, à montrer les crocs. Si les ennemis veulent venir et que devant l'OPJ, il faudra rien vomir. La langue faut la tenir, la langue faut la tenir. Le monde comme Montana. Le monde comme Montana. Le monde comme Montana pour mettre bien la famille. La vie est courte comme la liste de mes amis. Pardon maman, c'est la zone qui m'a détruit. C'est la zone, ouais c'est elle. C'est la zone, les Kings, le bâtiment, le sac. C'est la zone, j'ai promis de rien dire à la batte. Pour la zone, faut. J'm'éloigne du quart cellulaire, j'ai charbonné mais j'ai pas fait assez. On la vend en bas chez nos mères, le commissaire veut garder nos lacets. Traîner dans la zone, mourir dans la zone. Mon premier joint, c'était dans la zone. Mon premier test, c'était dans la zone. Maman s'inquiète, ah, j'aime trop la zone. Oui j'aime trop la zone, peu d'amour à donner. Et pour se refaire, on leur a tout volé. Y'a pas que des frères, mais j'aime trop la zone. Oui j'aime trop la zone, oui j'aime trop la zone. Mais j'aime trop la zone. Y'a pas que des frères, mais j'aime trop la zone. Oui j'aime trop la zone, peu d'amour à donner. Pour la première fois en live, gang. Fort le morceau. C'est chaud, c'est fort. Elle. Il est beaucoup apprécié ce morceau. Mmh. Franchement, je pense que la zone attendait ça de nous deux. Voilà, je remercie tous les gens qui nous soutiennent, que ce soit la team. Merci la zone. La team Alonso. Merci la zone. Gracias les frangins. Voilà, gros morceau que vous retrouvez sur l'album Stone, l'album de Alonso avec c'est Nino qui est là ce soir encore avec nous pendant quelques minutes sur Skyrock dans Planète Rap. Yes. La roulette qui va tourner D-Fool. Juste avant de se quitter, on va finir avec un dernier morceau. Un petit coup de Kurt Cobain. Pourquoi pas? Ah tiens, je vais demander à Nino, j'ai demandé à Koba hier, Kurt Cobain. Ça te parle ou pas toi, Kurt Cobain? Kurt Cobain, non, ça me parle. Non, tu vois, je pourrais pas t'expliquer. Tu vois comme Koba hier en fait. Ouais, c'est ça. C'est groupe fou, hein. Nirvana, ouais. Ouais. Le groupe Nirvana. Ça me dit quelque chose. Voilà, deux noms, c'est légendaire. Mais voilà. Ça m'étonne pas, hein. Ouais. Tu l'as fait aussi, voilà, C'est d'un autre monde. Ouais. Non, mais c'est marrant parce qu'on a posé, j'ai posé la même question hier à Koba. J'étais pareil, même génération. Ouais. Ah ouais. Bon, faut dire qu'en plus, ouais, Kurt Cobain, je crois qu'il est mort quoi, 94, il me semble 95. Ouais, ça, ouais. Il même pas né. Voilà, il est mort en 95. Ah ouais. Bah, c'est ça, 95, donc. C'est ça. Nino, c'était. Voilà. Ouais. Kurt Cobain, qui a choisi Kurt Cobain? On met Kurt Cobain. Ah, tu voulais mettre un autre morceau? Je sais pas. Il y a des suppositions. Compliqué. Compliqué. Tu es un mec de compliqué. Ah ouais? Ouais, compliqué. Okay. Alors on change, on change. Kurt Cobain, je pense qu'on l'a mis mardi. Dans la radio, vous écoutez déjà Stone 3. On l'a mis mardi. Ouais, Stone 3. On l'a mis mardi en plus, je crois. Hier soir. Et on n'a pas encore mis compliqué. On est bon, Fab? Compliqué. Allez. Bon pour compliqué. Allez, on finit avec compliqué. On fait tourner la roulette et D-Fool juste après. Cache en main, gros, c'est pas facile. Tu cherches tranquillité, gros, c'est pas ici. On a trop squatté les bandes à Tessie. Faire tourner le hasi ou se casser d'ici. Pourquoi tu m'évites? Tu as fait l'erreur. Non, ne recommence pas. J'suis fédéraire. Dans le cul, tu lances pas. J'suis téméraire. J'arrive en roue arrière. Je veux quitter la rue, je veux la zapper. J'ai trouvé ma Tokyo, je veux rien gâcher. Tu ravis froid la flamme avec un baiser. Pour calmer madame, suffit pas d'un bébé. Si t'as des choses à dire, dis-les, sinon laisse tomber. Je veux faire les choses à temps, le temps ne va pas s'estomper. Compliqué, yeah. J'aimerais m'en séparer, mais la rue m'a compliqué. Pardon, après tout, me prends pas pour un con si j'arrête tout. J'ai jamais fait de prison, à me doudou. Mais on ferait tout pour la maman, sans trahir la Honda. Ça peut tirer dans le tas, XADV Honda. Y'a plus rien à faire au quartier, c'est l'enfer. Pour éteindre le feu, faut 600 canadaires. Je veux quitter la rue, je veux la zapper. J'ai trouvé ma Tokyo, je veux rien gâcher. Tu ravis froid la flamme avec un baiser. Pour calmer.
calmer madame, suffit pas d'un bébé. Si t'as des choses à dire, dis-les, sinon laisse tomber. Je veux faire les choses à temps, le temps de papa s'estomper. Compliqué, yeah. J'aimerais m'en séparer, mais la rue m'a trop piqué. Ouais. J'ai les nerfs, mon pote de galère a pris 10 ans ferme. Compliqué, yeah. J'aimerais m'en séparer, mais la rue m'a trop piqué. Ouais, tu sais que c'est des terres et t'es comme hiver. Laisse-moi, j'ai les nerfs, mon pote de galère a pris 10 ans ferme. Je tiens à faire une grosse dédicace. Internautes, surtout à l'Instagram de Comorian Buzz. Une grosse dédicace parce qu'ils me soutiennent du début. Comorian Buzz, grosse dédicace, même à l'Instagram. Ngazi Jazz, bah, Comorian Mame, dealer, tout pour la patrie. C'était le bon choix, je crois, compliqué. Hein. Je crois que c'était un très bon choix. Non ah ouais. C'est un bon choix, celui-ci. Hein. Putain de merde, on a... je vais avoir du mal à choisir le morceau. Quel morceau clipper hein. Bah, vaut mieux avoir comme dans ce sens-là. Hein. Ouais, ben oui. Vaut mieux. Merci en tout cas pour cette soirée. On va saluer Vince qui est passé. Tu repasses dans la semaine, ou Vince, ou il y a trop de business à ouvrir là. Je suis en mode surprise. Hein. Ah, voilà. C'est dur. Merci Vince, allez faire un tour dans les magasins de Vince, notamment à Marseille. Bientôt nouvelle ouverture en Belgique. Et bientôt en Belgique, ça sera annoncé. Ouais. Oncle Phil, merci à toi Vince, merci Nino d'être passé. Henny le sang. Henny comme d'hab, vous le retrouvez en tournée là, à partir du mois de juin, l'album Destin et puis sur l'album d'Alonze aussi avec Stone CL. Allez streamer, allez acheter, c'est lourd. Merci le sang. Merci très gros son aussi que vous avez fait en live ce soir dans l'émission. Merci Nino d'être passé, merci à Ibra 50K. On rappelle qu'on retrouvera Game Over 2 avec Alonze. Et rappelle-nous déjà avec qui en combinaison. Je sais pas encore. Je sais pas, tu veux gratter. C'est que lui, c'est un mec. Il est fort, ça, ce con. Lui, tu lui as dit que t'avais mis des carrés qu'il avait posé avec. Tu l'as parlé du soir avec. Avec. Lil Kim. Lil Kim. Il y a tellement de Lille là-bas que. Lil Kim. Lil Kim. J'ai entendu avec toi de la Réunion. Avec toi, J'ai entendu Lille tout court. Lille. Sur la tête d'homme à la fin de l'émission, c'est fini en Lille tout court. Merci à Ibra, donc 50K. Game Over 2 prochainement dans les bacs. Allons, rendez-vous demain. Rendez-vous demain en forme. Demain pour la suite de la trappe spéciale Stone qui est dans les bacs depuis vendredi. Exactement. Merci mes vaillants. Merci à tous ceux qui écoutent. Franchement, ça tue. Et on retrouve Diffoul dans un instant. Mais juste avant, on fait tourner la roulette. C'est parti. Gagne la toute nouvelle compile Planète Rap 2019 plus ta Google Home Mini avec Aude de Tourcoing. Salut Aude. Salut. Ça va bien Aude? Oui, ça va et vous? Tu es prête à faire tourner la roulette Aude? On y va, dès que tu veux tu dis stop. Roulette spéciale Planète Rap qui sort vendredi. Planète Rap 2019 en 3 CD et qui va s'arrêter pour toi sur la case 7. Eh ben pour toi Aude, c'est Planète Rap 2019 qui arrive et là, l'enceinte connectée Google Home Mini à la maison, on t'envoie ça à Tourcoing. Oui, c'est trop bien. Bisous à toi, profite bien, plein de sons. Merci beaucoup. Bisous, ciao, passe une bonne soirée, merci à vous tous. On va retrouver Diffoul maintenant pour la Radio Libre. Ouais. Et toute l'équipe, comment va? Ça va bien Fred et toi? Bah ça va. Ça va, on s'est fait casser le cul encore ce soir les gars, vous avez vu? Ouais, un petit peu, ouais. Ça fait du bien. Je sais pas. 3-2 défaites. 3 défaites, c'est moi. Alors quand il dit on, il parle du PSG. Hein, je dis. Oui, c'est ça. Oui. PSG 3 et non 2 et non 3, c'est ça. 3-2 à Nantes. C'est ça, man. On s'est fait tordre encore une fois. J'ai pas suivi. C'est pour que tu sois au courant. Voilà, bah ouais, j'ai bien fait de pas suivre. Tu dis pas tes amis marseillais, Alonso, non? Mais il a un grand sourire, regarde. Casser le derge. Casser le cul. Casser la rondelle. Nino, dis quelque chose, Nino aussi, toi. Rien à dire. Rien à dire sur l'Olympique de Marseille. Il y a l'Olympique de Marseille. Je répète. Il n'y a rien à dire sur l'Olympique de Marseille. C'est bon. Voilà. On ne dira rien. Donc, voilà. Ça va, on arrête là. On peut rien dire sur les toilettes. Ah,
sur les toilettes. On peut rien dire sur les toilettes. Oui, les toilettes. Voilà. Ouais, ouais, eh bien, merci Nino aussi, merci Vincenzo, merci à vous tous qui êtes passés dans Planète Rap ce soir. Aïe, et aïe. Au maître de Planète Rap toute la semaine, c'est toi, Alonso. Demain, le retour, c'est à partir de 20h. Ouais, on sera là. Je crois qu'on va passer quelqu'un que tu connais dans un instant, je crois qu'il s'appelle Soprano. Ah bon? Soprano. Je crois qu'ils se connaissent. Vite fait. Première nouvelle. Vite fait. Allez, Soprano, on démarre la radio libre avec, on démarre la soirée avec. Et on vous attend en direct au 01 53 40 30 20. Ouais. Vous nous appelez de toute la France, vous avez un truc à dire, vous avez besoin d'un coup de main, vous voulez faire les cons avec nous. Jusqu'à minuit, on est là et on en profite tous ensemble. Et demain, Planète Rap, juste avant 20h, ça démarre, c'est sur Sky. Yes. Merci Fred, salut ciao, toute l'équipe, salut Alonso. Ciao. Et à demain.